Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de DT Game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2022. Et oui, encore un nouveau mode, hein, mais les modes, ça pleut tous les jours, hein, il y en a vraiment beaucoup. Des fois je comprends pas, oui, je sais pas si vous aussi vous voyez ça sur les forums ou quoi, qu'il y a pas assez de modes qui sortent sur console. Je trouve quand même qu'on en a pas mal, hein. Après c'est peut-être la variété qui manque, mais au contraire, là on a eu quand même pas mal de cartes qui sont sorties ces derniers temps. J'en ai une autre à vous présenter encore. On est quand même gâté. Bon, alors, là il s'agit d'une carte qui était déjà sur FSI9, de ce que je vois. Ok. Alors, c'est une carte fictive basée au Royaume-Uni, à un total de 100 champs de différentes tailles. Ok, il y a un village appelé Greenland. La carte comprend également une usine de biogaz, un moulin à grains, un moulin, une scierie quoi, des parcs de stockage avec des hangars et une longue rivière, et plusieurs zones forestières et une grande zone en bas de la carte avec laquelle vous pouvez faire tout ce que vous voulez. D'accord. La carte contient des contrats, ok, l'élevage des animaux intégrés, des objets plaçables. Ok, il y a trois fermes. Ok, une ferme avec vache, porc, mouton, poulet, stockage de céréales, fosse à ensilage, ok, tout pour démarrer, vache, mouton, ok, ferme en bordure de route avec des porcs et stockage à grains. Il y a aussi la ferme avec une cour de rangement et de remise. Ah oui, il y a 4 fermes en tout. Ok, et eh ben on va aller voir ça tout de suite, on se retrouve sur la map. Alors allez. Nous voilà sur la map, alors. On arrive ici, alors regardons déjà le PDF. Ah ouais, mais ça a l'air d'être énorme. Alors, juste voir qu'est-ce qui nous appartient. Alors, ça nous appartient, ça nous appartient. Après, il y aura des autres fermes à acheter. Mais après, savoir où elles sont. Regardons voir une vue du dessus. On va regarder ça après, je vais juste regarder par rapport au champ. Mais ça m'a l'air d'être vachement grand, hein. Ah ouais, c'est imposant. Comment elle rentre les voitures? Ah, on n'a rien dit. Ah ouais, non mais what, c'est quoi ça? C'est pour acheter le bétail. Putain. Eh ben voilà, on va aller voir ça. Alors. À mon avis, ici c'est la première maison. Alors, bah déjà ce qu'on peut voir, le détail est assez bien fait. On a la petite route là. Tout ça, ok, je sais aussi, c'est un détail, mais voilà, on a les lignes électriques et tout, ça c'est toujours cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a l'enclos à moutons. D'accord. 65 moutons. On peut mettre là-dedans. Ok. Enlève-moi ça. Ok. Et là, on a une cuve à... Ah d'accord, il y a les vaches à côté. Ok, parce que j'allais me dire pourquoi il y a un truc à fumier là. Ok. Là, le lisier, d'accord. Mais c'est bien, en plus, c'est des enclos qu'on n'a pas, hein. Du coup, hein, c'est pas des enclos de base, hein. Donc ça, c'est assez cool. Ah non, c'est les cochons. C'est les cochons, ici. Je me suis trompé. On peut rentrer, là-dedans. D'accord. Et là, ok. Oui, c'est vrai que ça aurait été un peu petit hein, pour des vaches. Et là, ça c'est pour l'ensilage. Hein. Là, c'est pour l'ensilage.
Alors ici on a quoi? Un épandeur. Ça c'est une pailleuse ça. Ouais. On a un petit massé pour commencer, d'accord. L'andaineuse ça ou la faneuse? Ah, pourquoi ça nous fait champrer pour la récolte? Ok, on a ce qu'il faut pour couper l'herbe. Une chargeuse, une cuve, un épandeur à fumier. Ok, pareil, un queue avec des bâtiments qu'on n'a pas d'origine, je crois. Ceci, je n'ai pas l'impression que c'est des bâtiments qu'on a d'origine. Là, on a le silo. Ok, et là, on a un garage. Ah, on a une presse. On a un petit John Deere. On n'a pas les fourches John Deere avec. Et la ramasseuse de pierre. Mon pire ennemi, la pierre. Alors, ah, on a encore du matos là, des masses, une charrue, un déchaumeur, pic à balles. Attends. C'est quoi ça? C'est pas ça le déchaumeur? C'est quoi ça? Ah oui, mais oui, le cultivateur. Je crois. Je suis pas sûr. On a une John Deere pour commencer. Bah, ça va, c'est bien. C'est pas mal. Avec la barre de coupe hein, qui doit être du 3 mètres. Et une petite benne, je pense, de 12 000 litres. Ok. Mais ça, on dirait des. Ouais, ça sert aussi pour l'ensilage, non? Parce qu'on dirait vraiment les trucs en ensilage. Et là, on a encore un troisième tracteur. C'est quoi comme marque ça? C'est un Fendt ça? Ah ouais, c'est un Fendt. L'andaineuse. Et pour ramasser. Pour enlever la neige ou pour les silos. Mais pour égaliser les silos. Ok. Oh, on a un truc. Ah, bah, c'est le truc à vache là. Ah, ouais, d'accord. C'est le big enclos à vache. Qu'il y a là. Ouais, si, c'est ça. C'est le big enclos à vache. Ah, ouais, on commence fort. Du coup, là, le fumier. Oh, mais on a encore un tracteur là. On a tout là. C'est le. Ouais, je crois que c'était pas le nouveau là qu'ils avaient rajouté. Ah, là, pour réparer, ça c'est cool. Une fourche à palette, l'essence, des petits détails, mais regardez-moi ça, c'est vraiment bien fait, voilà. C'est vraiment bien fait. Alors, ouais, 80, ouais, c'est celui d'origine, hein, il a pas touché. Il n'y a pas touché. Ok, et là on a les poupoules. Poupoules, ça c'est un emploi de base, hein. Aussi. Et là c'est notre maison, alors on peut dormir, on peut rentrer dedans? Non. Non, en tout cas on peut pas dormir dedans. Non, on peut pas dormir dedans. Non. Et du coup alors, on a quand même pas mal de champs pour commencer, hein, du coup. Ouais. On avait vu les poules. Ouais, non, on peut pas dormir ici. Non. Par contre, ça, je sais pas si j'ai vu ça. Là, ça. Ça me dit rien. Ah, si, si, c'était ça, d'accord. Ah, ok. Oui, c'est bon. Ça, j'avais vu. Ok. Maintenant, on sait qu'il y a une autre ferme. Alors, est-ce que ça serait ça, là? Non, là c'est juste un dépôt BGA. Ah, ça nous appartient l'usine biogaz alors. J'ai l'impression. Ouais. Ah oui, d'accord, oui, on commence bien. On commence bien. Avec une grosse usine BGA. Ah ouais, c'est du lourd. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais poser des panneaux pour cheater l'argent et aller voir les autres fermes. On va poser un mobil home là et puis voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà.
On a acheté les deux autres fermes qu'il y a, et on va aller les voir. La première, je pense qu'on va y aller en voiture, histoire de faire un peu de route. Est-ce que je peux passer par là? Je ne sais pas. Je n'en crois pas. là. Ah bah merde, on dirait une route ça. Là. Bah ouais, là, on dirait qu'il y a une route. C'est bizarre ça. Coup, non, faut aller par là. Chipotis. Ouais, mais sur le PDA, on aurait l'impression, mais en fait, je pense que non, c'est juste la délimitation des champs. On se confond avec une route. T'avais 100 champs quand même, parce que ouais, les champs, ils sont pas tous rikiki, on a des sacrés beaux mon champ. Donc c'est aïe. Aïe. Donc on a vraiment, ouais, voilà, de la place. Et puis ouais, à chaque champ, on a des ouvertures et tout, c'est pas mal. Ah bah oui, c'est le Royaume-Uni. Oui, je suis en train de me dire, mais par contre la voiture est pas dans. L'eau par contre n'est pas très bien, n'est pas bien faite. La texture de l'eau. Ouais. C'est bizarre de rouler comme ça. L'habitude de rouler comme ça, moi. Ah, je crois qu'on va y arriver. Je crois que c'est peut-être là, non? Wow. Je sais conduire, je sais conduire. Y a pas de souci, à mon avis, c'est ça. Alors. D'accord. Un truc à essence. C'est bien ça, au fait, hein? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Après, on pourra redescendre par là. Ça, on verra ce qu'il y a ici. Et on pourra partir ici. Oh, mais c'est grand. Et on a une zone de bois aussi. Là. C'est ouf. Il est ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça se trouve, ça? Non. On n'a pas beaucoup de choses ici. Un hangar. Truc à fumier. Là, c'est des cochons encore. Ouais. Après, en fait, c'est peut-être le truc à cochon d'origine, en fait. Hein. Ouais, parce qu'en fait, je disais que c'était pas ça, mais en fait, je crois que si. Hein. Je l'ai jamais utilisé encore, c'est pour ça. Un autre hangar. Un silo, voilà. Là, il n'y a rien de plus. Hein. Et il n'y a rien de plus. Ouh, je vous emmerde. Je t'ai pas le dire. Je sais pas conduire. On va mettre un plus grand zoom pour bien voir. C'est bien parce que même les reliefs au loin, au moins ça fait bien. Y a pas de soucis là-dessus. Non mais des fois ça peut être dégueulasse. Pas être dégueulasse. Ah, y en a beaucoup des voitures. Ouais. Oh bah ouais. Aïe 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 aïe. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non. Allez, avance. Ouais. Ah! GTA, je voulais jouer à GTA. Mais je me suis trompé de jeu, j'ai mis Farming. Alors là, on a un gros silo, ça c'est le moulin à grains. Ok, là on a la petite station avec un petit village. Plutôt joli. Et on se ressemble un peu là les deux premières, mais ça c'est pas grave. Ok. Là on va avoir un quartier qui se ressemble pas mal, hein, mais ça. C'est normal, ça c'est un genre de petit quartier résidentiel. Là c'est pas mal. Ici est pas mal. Là-haut pour réparer, plus le concessionnaire. Ok, bah partons vers l'autre ferme. Mais elle est cool cette petite map là.
Ouais, 100 champs quand même, c'est... What? C'est bueno quand même, hein. Pas dire, mais c'est bueno. Oui, aïe. Alors, c'est là. C'est ici. Alors, toujours à ces petites clôtures pour rentrer dans les champs. Ok, c'est quoi encore un truc à vache? Vache. Oui. Et on a des enclos sur cette map. De poser quoi. Là, on a la fumière. Qu'on les branche. Oh, c'est quoi ça? C'est mouton. Les moutons. On n'a pas d'autre équipement. Il n'y a que dans la première ferme qu'il y a de l'équipement. Ça, c'est l'essence. Oh, bizarre comment c'est posé. Ah, d'accord. Ok. Il y a des planches. On a une maison là, mais toujours pas fonctionnelle. Non, ça c'est, il veut qu'on le pose nous-mêmes. Pour ce qui est de dormir. Parce que je pense que ça vient de cette map, ça. Je l'avais pas avant, ça. Là. Ça va être pour mettre un trigger. Tac, tu mets un trigger où tu veux dormir. Hop. Tac, tu le poses. Quoi? Un seul. Ah bah non, il y en a déjà un de poser, d'accord. Ok. Bah je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Alors, ce que je propose, c'est qu'on regarde un peu du dessus maintenant. Voilà. Alors. Là voilà, là on a une zone d'arbres. Là c'est cool. Là c'est notre BGA, hein, il nous appartient. Alors, on a vraiment un big BGA pour commencer. On va dire que pour commencer c'est un peu... Bon, on est très bien, hein. Autant commencer en difficulté maximum sur cette map, hein. Parce que avec tout ce qu'il y a déjà de base, hein, on est plutôt pas mal, hein. C'est oui, les copeaux de bois, ça c'est cool. Ah dommage qu'on n'est pas comme sur PC, avoir la vue encore plus haute là. Là encore une grosse... Wawash, ah ouais là on peut en faire du bois là. Pour ceux qui veulent faire du bois. Ah bah, ah oui, ils sont servis là. Ah oui. Ah ouais. Ouais. Oui. Y a de quoi faire là. Y a de quoi faire. C'est bien, voilà, de temps en temps on a des petites maisons et tout. Ça met un peu de vie sur la map, hein. C'est sûr. Ah, c'est ça que je disais qu'il y avait un hangar en bord de route. Ok. Bon, voilà, si t'as des champs dans le coin ou que tu veux faire le bois, bah t'as ça à côté pour mieux ranger tes machines. Du coup, c'est pas mal. Ah ouais, non mais c'est, elle est immense la carte, c'est pas une des plus grosses cartes, ça. Ah oh. Oh, là, on arrive seulement à cette ferme-là. Non, ça serait pas une des plus grosses cartes du jeu. Je crois qu'elle est même plus grosse que M-Quick. Ah non, mais elle est énorme. Elle est juste énorme. What the what? Ah non mais je suis choqué. Ah voilà, après on retourne là où tout ce qu'on a déjà vu. Mais les champs sont grands en plus, hein. C'est pas que des petits champs de merde. Ce qui est un peu dérangeant, c'est souvent il y a des arbres et tout ça. Employés, va falloir faire le contour, hein. On a un chemin là. Ah d'accord, c'est ça en fait, tout ça, d'accord. Ah ouais. Tout ça, c'est la zone où... C'est ça qui disait que... Ouais, on peut l'acheter. Et c'est une zone vide. On peut faire ce qu'on veut, quoi. Il a laissé une grosse zone vide. Alors en plus d'avoir 100 champs, on a une énorme zone vide. Si c'est pas fou, ça. Si c'est pas fou, ça. Non, c'est pas fou. Ouais, c'est énorme.
C'est juste énorme. Ah bah franchement pas mal, hein. Elle coûte combien cette zone? Ah non, mais c'est ça là? Ah mais tout ça? Non, attends, attends, attends. Ah bah ouais. Ça coûte pas si cher. Ah ouais, quand même. Ah, je suis assez choqué, ouais, parce que ce qu'il y a de bien avec cette map, c'est qu'on a une grosse zone vide. On a une map qui est déjà toute faite. Mais en plus de ça, eh ben on peut s'amuser à créer quelque chose d'assez conséquent sur toute cette partie. Et ça, c'est plutôt cool avec un chemin, tout ça. Ça, c'est plutôt cool. Ah, cette map est vraiment pas mal, hein. Ah, ça, c'est cool, ça. Parce que, ouais, on a quand même ce parti. Parce que souvent, si on aime bien créer et tout, tout créer, bon, on va sur nos matchs. Mais là, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on a une map créée déjà de base. Voilà, on a les routes, des IA, tout ça. Mais en plus de ça, on peut créer quand même quelque chose d'assez énorme ici, des nouvelles usines, voilà, des nouvelles stations de vente, une nouvelle zone commerciale, même un champ. Et c'est assez conséquent quand on voit le morceau là qui fait aussi gros que ça là. Ouais, c'est conséquent comme taille, hein. Regardez-moi ça atteint là, c'est tout ça. Ah ouais, c'est une des plus grosses maps, hein, j'ai l'impression, hein. Ouais. Et bien sur ce, ben moi je vais vous laisser là. Si jamais la vidéo vous a plu, et que si la carte n'hésitez pas à la télécharger parce que franchement elle est cool. Et puis ben du coup si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis ben moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Bye.